Ouais, Shino Migen, c'est votre gars Sam, aka Zomi. Bienvenue, on est parti toujours avec ce projet-ci. Toujours bon de rappeler que pour les nouveaux qui me découvrent sur cette chaîne, on ne fait pas que de la musique. Oui, parce que actuellement j'essaie d'élargir un peu la panoplie. On faisait du gaming et en plus vous avez la chance de vous débloquer des nouveaux personnages en la personne de ma copine maintenant. Il y a une série de vidéos qui sort actuellement avec un let's play avec ma copine. Mais voilà, on fait aussi du jeu vidéo maintenant. On a juste musique, jeu vidéo et parfois des vidéos un peu plus chill, réaction, drôle. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne. Voilà, on est en famille, Zomi Family, ça fait plaisir. Vous pouvez le voir dans le chat, hein. Les gens sont très heureux d'être là. Voilà. Merci à MakeItChain de sponsorer cette vidéo. Toujours bon de rappeler, MakeItChain, première marque de streetwear, bijoux, vêtements. Actuellement, les produits sont disponibles, des nouveaux drops sont disponibles. Vous allez retrouver des chaînes, des boucles d'oreilles, des marques, des t-shirts. Maintenant, MakeItChain gang, ok, des bagues. Vous avez des bagues, vous avez des pendentifs, bon, vous avez toute une panoplie, des casquettes. Actuellement, vous avez 15% avec mon code ZOMI15. Faites-vous plaisir. C'est la famille qui régale. Et puis voilà, merci du soutien. Merci à ceux qui ont déjà pris le temps d'énormément commander. Vous êtes une. Franchement, j'ai toujours dit ça et je le redis. Vous m'avez surpris avec ces produits-là. J'étais très surpris à chaque fois. Chaque mois, quand je regarde le bilan, à chaque fois, je vois le nombre de produits que vous avez commandés. Merci, ça soutient. Donc voilà, le lien est payé en commentaire. On est reparti avec ça. Let's go. Yeah. Pour les points. Yeah. Les bitches en extase, me colle comme Nesta. HK, rapidement, hein. Je trouve qu'il a beaucoup progressé. Hein. Alors, on n'a pas fait beaucoup de fois sur la chaîne, mais je regardais quand même ces trucs quand il sortait ces trucs solo. Mais je trouve qu'il a une bonne progression et il a réussi à se créer, entre guillemets, un univers propre à lui, je trouve. Dans sa façon de poser, dans sa voix même, dans son flow comme ça, là, dans sa gestuelle. Je trouve qu'il est en train de vraiment créer un espèce de délire autour de lui et c'est pas facile quand tu étais dans un groupe avec des mecs comme 4 Cuss. Waouh! Car rempli de maps sont les escaliers. Back then, c'était nos caméras, nos presse gars. La tête dans l'espoir, se réveiller, je rêvais de S-Bar. Le chrono tourne bientôt l'échéance. J'ai pris taureau par les cornes et ta poule par les cheveux. J'écris dans le noir en fou, je me retaperai à Manchester. Les petits coupes ta Manchester, ouais, si ton poignet brille. Eh hey bro, la prod elle est incroyable. Non, vraiment elle est incroyable. Les petites voix en bas comme ça. Bro, ça met un petit délire, vous savez même pas. Les deux maps sont les escaliers. Back then c'était nos caméras, nos presse gars. La tête dans l'espace, rêver, je rêvais de S-Bar. Le chrono tourne bientôt l'échéance. J'ai pris taureau par les cornes et ta poule par les cheveux. J'écris dans le noir en fou, je me retaperai à Manchester. Les petits coupes ta Manchester, ouais, si ton poignet brille. Faut qu'on fait soit aisé que la clé du guinée dans le salon. Celui qui veut faire le cowboy à mes guiris devant le salon. C'est de la plata, les minutes changent. Tu sais quoi, celui qui veut faire le cowboy, il y a mes guiris dans le salon. C'est quoi les guiris, les frères? C'est quoi les guiris? Il y a mes guiris dans le salon, devant le salon. Guiris, c'est pas les trucs de marabout là? Non, les guiris. Moi, je connais des trucs de guiris, mais c'est des trucs un peu de. En gros, un peu des trucs un peu. Des gris-gris. C'est ça que je pensais. Des gris-gris. Moi, je pensais à des gris-gris. Le cowboy, il y a mes guiris devant le salon. Pourtant, c'est de la plata, les minutes changent en heure. L'objet se change en meurt. Et comme on dit, c'est force honneur. A 10h, j'ai qu'il est sans tchao. Et nous filer contre Charlotte. Avec des bobos, je me sens plus absent. Fini le temps de charo. Pour vesquer les diaos sur un coup de tête, je fais pas raison. Ziboire qui limonne Jaro. Hein. Venez taper des gars, j'arrivais les gants tressés. J'ai pas pu faire de choix, j'ai pris les deux qui me plaisaient. Sa coche est remplie de péché, tu rempli de déchets. La jababor m'attire plus que l'autre, je pouvais pas le dire quand la vérité me plaisait. C'est le moment où il a maigri un peu. On est d'accord que c'est le même HK que je connais de 4 cases, hein. Bro, on dirait que c'est plus la même personne, c'est trop bizarre. Sa coche est remplie de péché, tu rempli de déchets. La jababor m'attire plus que l'autre, je pouvais pas le dire quand la vérité me plaisait. Hein. On l'embauche, les petits postules. Tu sais pas le nombre de problèmes que j'évite quand je suis au sud. Le beau augmente et moi la posture. Si je gagne pas d'album posthume, le diable se sape en costume. Gangsta, gang, gang, gangsta. Gangsta, gang, gang. Je voulais que finir en gang, gang. Gang, gang, gangsta. Mais si je dois gérer mes bises, mais t'inquiète, je fais dans l'idéal. Je veux pas répondre, non, c'est pas du cinéma. Contrôle, bébé, je veux devoir couper les liens. Si je pars, ne me parle pas de la zone. J'étais ce petit banlieusard avec plein d'autres. Bon, le projet est venu pour nous choquer. Eh, hey, c'est quoi ces vibes? C'est quoi ces vibes là qu'ils sont en train de nous mettre, gros? Comment il est rentré? Gang, gang, je voulais que finir en gang, 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 gangsta. Mais si je dois gérer mes bises, mais t'inquiète, je fais dans l'idéal. Je peux pas répondre, non, c'est pas du cinéma. Contrôle, bébé, je vais devoir couper les liens. Si je pars, ne me parle pas de la zone. J'étais ce petit banlieusard avec plein d'atouts. Avec plein d'atouts, je mangeais rien mais maintenant je mange sur un bateau. Des
milliards d'espèces énormes. Faut pas que je perde le nord. C'est pas la vraie. Eh hey bro, je sais pas si je peux dire ça, mais je trouve que Tiakola là, il a grave progressé dans ses flows, hein. Il a grave progressé dans ses flows, dans sa façon d'aborder la musique. Promets. Et vous savez qu'on parle beaucoup de lui, même si j'aime beaucoup de ses sons. Parfois, t'as des trucs un peu... ouais, c'est de la mélo, mais c'est de la mélo un peu qui ressemble souvent à ce qu'il a fait précédemment. C'est, pour le coup, vu que c'est bien fait, bah ça dérange pas. Mais là, pour le coup, la façon dont il aborde les pros, j'ai l'impression qu'il y a une progression, en fait. Dans l'idéal, je veux pas répondre, c'est pas du cinéma. Contrôle, bébé, je veux devoir couper les liens. Si je pars, ne me parle pas de la zone. J'étais ce petit banlieusard avec plein d'atouts. Avec plein d'atouts. Je mangeais la, la petite voix en prod sur la prod là. La petite voix en fond sur la prod. Maintenant je mange sur un bateau. Des liages d'espèces énormes. Faut pas que je perde le nord. C'est pas la vraie vie. On a grandi, on a pris de l'âge, mais sur les champs de bataille où j'y étais. Si je dois choisir entre une bitch et mon pro, le choix il est vite fait. Si je dois choisir entre une bitch et mon pro, le choix il est vite fait. Ça tout le monde si on arrive, tu sais qu'on bro. On m'a dit que t'as changé de camp. Wow, j'suis toujours pas pro, j'ai commencé débutant. À moi, c'est qu'on s'est débrouillé bien avant les 18 ans. Charbon et galop la sacoche, peu importe. Charbon et galop la sacoche, peu importe le temps. Maintenant devant les gens je fais l'échange, plus dans l'échange de stupéfiants. Je suis devenu un peu plus méfiant, je pas qui prendre, y'a trop de starfuckers. Faut que je continue de me craquer mon frère, faut que je creuse. Faire autre chose que les bangers, mon premier reste est dû pour les tenders. Mais tu te réveilles quand tu t'endors, explique-moi si tu le veux. Mon premier reste est pour les tenders, mais tu te réveilles quand tu t'endors. Eh hey bro, j'ai vu vidéo sur Color, hein. Premier, c'est juste les tenders. Je te réveille quand j'ai tant d'or. Bro, ok. Hey. Wow. Je suis toujours pas pro, j'ai commencé débutant. Ah. À moi, c'est qu'on s'est débrouillé bien avant les 18 ans. Charbon et galop la sacoche, peu importe. Charbon et galop la sacoche, peu importe le temps. Maintenant, devant les gens, je fais l'échange, plus dans l'échange de stupéfiants. Je suis devenu un peu plus méfiant, je sais pas qui prendre, y'a trop de starfuckers. Faut que je continue de me craquer, mon frère, faut que je creuse. Faire autre chose que les bangers, mon premier. Yeah. Mon premier reste est dû pour les tenders, mais tu te réveilles quand tu t'endors. Fais-moi si tu le veux. Le studio, studio, studio. Aïe, savais pas ça où j'aurais fini, yo. J'étais en mode cracra, cassé ma tête sur le Fivio. J'ai grandi maintenant, j'ai les mêmes moves que celui d'un CEO. J'en ai marre, c'est qu'il me faut du cash tous les jours de la semaine. Aïe, j'en ai marre, c'est qu'il me faut du cash tous les jours de là. Qui me relève si je tombe là. Qui m'enlève si je tombe là. La vie ça va vite. Hier il souriait, aujourd'hui il est dans la tombe là. Ramdoula, je prends la patience pour le succès. T'inquiète, ça attendra. J'en la crainte que chaque fois. C'est là que tu as le Sam un peu. Avec les conseils, profitez de chaque jour, les frères. Profitez de chaque jour. Eh hey, gros, tu peux te faire éteindre comme ça par la vie du jour au lendemain. C'est incroyable. Là, elle est revenue parce que rare sur les moments de crise. Elle était fucking sexy, mais regarde maintenant l'impression qu'elle est sous l'emprise. Branche le câble électrique sur la prise. Si tu veux de la lumière, j'ai appris, j'ai retenu, j'ai capté. Je fais plus les mêmes erreurs qu'hier. Faut que je nettoie ce game, j'ai pas le choix. Ramène les Kalashnikov, les serpillères. De droite, c'est que j'avance, tu avances, sorte que le chemin soit linéaire. Je sais que j'ai fait du mal. Désolé, je ferai plus les mêmes erreurs qu'hier. Ouais. Non, il est bon, hein. Il est bon, Jola Green, là. Il est vraiment bon. Très, très, très belle découverte, moi. Récemment avec le Color, déjà. Mais très, très. Je vous avais dit, il me fait beaucoup penser à ce que je ressens. Enfin, il me fait beaucoup ressentir ce que je ressens avec Josh Mann. Josh Mann, c'est un mec qui est très, très fort. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas parce que, je sais pas, ils veulent un peu le catégoriser. Mais il est très, très bon. J'aime bien. Ça, comment il aborde la prod. Et comme un mec qui est dans le chat, il va pas vraiment poser en mode énervé, je sais pas quoi, ou rapide. Non, t'as l'impression qu'il te parle et il te donne envie d'écouter ce qu'il dit. Incroyable. La vie prend tout son sens quand les défis deviennent les opportunités. On a grandi, on a pris de l'âge, mais sur les champs de bataille où j'y étais. Si je dois choisir entre une bitch et mon pro, le choix il est vite fait. Si je dois choisir entre une bitch et mon pro, le choix il est vite fait. La vie prend tout son sens quand les défis deviennent les opportunités. On a grandi, on a pris de l'âge, mais sur les champs de bataille où j'y étais. Maintenant je fais les shows dans les boîtes là où je me faisais recaler. Quand vient la nuit je suis seul, je discute un peu avec mon farfalé. Je suis l'aîné, mon petit frère c'est le cadet, donc je me dois de montrer l'exemple.
Ouais, en bleu, tu vois que les mecs en bleu. La vie c'est pas solo, mon frère, ça marche. En zone, les passes, les 1-2. Les joints, chic, les joints de peu. Le DLC, 22. Poche ton seringueux. Bonbon, fin 2. J'en ai marre, c'est qu'il me faut tous les jours de là. J'en ai marre, c'est qu'il me faut le cash tous les jours de là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je trouve très très intéressant le fait que tu puisses écouter le son et que chacun apporte son truc au son. Je sais pas si tu vois que ce que je veux dire. Et que tu commences avec HK. HK qu'on suit depuis un moment, bon, certains suivent beaucoup plus que moi. Il fait son truc, il a sa vibe à lui, il arrive à dégager une espèce d'univers tout de suite avec sa prestation. Puis quand Chiaco il rentre, il casse avec ce délire mélo, avec la prod qui l'accompagne sur ça. Donc lui aussi il a son truc à lui et lui il vient terminer en chill. Il détend en chill. Je veux pas vous cacher, mon préféré c'est Jola Green dans ce sens-ci. Après c'est en fait en deuxième position, c'est pas spécialement Chiaco, mais c'est la façon dont Chiaco il rentre, la voix que Chiaco il ramène quand sur sa partie dès le début, il y a un petit truc tu vois. Donc HK il ira en dernier, mais franchement gros son, j'aime beaucoup ce qui en fait t'arrives à ressentir un bail en fait à travers le son. C'est qui les artistes? C'est qui? C'est Jay Bonny, Sony Rave Grand Prix. Ok, Jay Bonny je connais, Sony je connais pas. Ce soir je laisse mener le paille. Avec toi à mes côtés il n'y aura pas de faille. Turn up the music, viens que je t'emmène du matin au soir. Ces plans-ci, et je suis sûr de moi, sont inspirés soit des clips à l'ancienne, et je pense à des clips à l'ancienne, des R&B tout ça. Bon, je pense à Chris Brown qui avait fait un son comme ça qui s'appelle justement Turn up the music. Oh, je sais pas si c'est cette couleur là. Et pareil, même Cisco à l'époque, Tong Song, c'est les mêmes plans. Et je pense qu'il y a une inspiration de là clairement. Et je pense que globalement les rendus comme ça visuels, même dans les sonorités, ça rend vraiment plus une vibe R&B, pas non plus de fou non plus. Mais surtout quand t'as des mecs comme Jay Brony. Ce n'est qu'une question de détails. Ce soir je laisse mener le paille. Avec toi à mes côtés il n'y aura pas de faille. Sonny Ray. Turn up the music, viens que je t'emmène du matin au soir. Turn up the music, loin des problèmes, viens que je t'emmène du matin au soir. Attends, ils ont des lentilles ou quoi? Ils ont des lentilles là ou c'est moi? Ou c'est vraiment le délire du jeu de lumière qui fait qu'ils ont les yeux comme ça? Y'a une meuf devant le banc. Y'a une meuf devant le banc. Y'a une meuf devant le banc. Chez nous on reçoit que la frappe. Y'en a plusieurs qui tapent à la porte. Des mauvais acteurs sont des sorties. Combien j'en ai laissé sans suite? Oui, mon cœur n'est pas sensible. Monaco, je vais pour le Grand Prix. Éloigné du mauvais train de vie. En tout cas, ce qui est sûr, y'a pas que la drogue qui est dure. La vérité sort de la vessie, peut-être j'ai vu trop d'inertie. J'ai béni, j'ai appris, j'ai compris, j'ai fait. J'ai béni, j'ai appris, j'ai compris, j'ai fait. J'ai pris du temps pour me féliciter. Écris victoire quand c'est pas mérité. Écris victoire quand c'est pas mérité. Je vous cache pas qu'il me faut un petit temps d'adaptation. Il me faut un petit temps d'adaptation parce que là je suis un peu décalé, hein, je vous mens pas. Je suis un peu décalé. Mon cœur n'est pas sensible. Monaco, je vais pour le Grand Prix. Éloigné du mauvais train de vie. En tout cas, ce qui est sûr, y'a pas que la drogue qui est dure. La vérité sort de la vessie, peut-être j'ai vu trop d'inertie. J'ai béni, j'ai appris, j'ai compris, j'ai fait. J'ai béni, j'ai appris, j'ai compris, j'ai fait. J'ai pris du temps pour me féliciter. Écris victoire quand c'est pas mérité. Écris victoire quand c'est pas mérité. En fait, je trouve que Jay Brony, il passe mieux en fait. Je trouve que sur ce truc-là, il est plus prenant en fait. Quand il a commencé à poser, à amener son truc avec sa voix, je trouve que ça passe mieux, que ça va. Vraiment, quand Tiako il rentre dessus, je suis pas à 100%, je vous cache pas. Ce soir, je laisse mener le paille. Tu vois, je trouve que ça colle plus avec ce genre de truc de Jay Brony là. Parce que c'est slow et lui aussi, tu sens qu'il maîtrise cette vibe. Chiaco là, franchement, je suis pas très pris par son couplet. Hein. Avec toi à mes côtés, il n'y aura pas de faille. Tu vois, Jay, il prend ça. Turn up the music, viens que je t'en...
crois que je viens de capter pourquoi ça passe pas. Vous savez pourquoi ça passe pas? Parce qu'il a ramené un mec qui est vraiment dans les vocalistes de fou. Parce que tu sens ces vocalistes de fou, en fait, c'est des voix qui, c'est la voix qui emporte. Là où Tiakola c'est un bon mélomane, mais il faut pas mélanger des mecs qui sont mélomanes et des mecs qui genre comment dire. Tu sais, t'as des mecs, tu vas leur donner le micro, ils vont poser et tu sais, ils peuvent aller dans des tonalités que les chanteurs peuvent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que Djé Bonny il a ça. Tu dis que tu vois ce genre de conneries là, tu vois. Je pense que c'est facile de le faire avec Djé Bonny. Tiakola, je sais pas si c'est son truc. Voilà les taiki exactement, tu vois. C'est ces notes là. Je trouve que c'est pour ça qu'il y a ce décalage en fait. Je trouve que c'est pour ça qu'il y a ce décalage parce qu'il y a vraiment ce truc. Tu vois comment c'est fluide quand lui il pose sur ça. Ouais, non. Je suis désolé, hein. on est sur un autre level. Et je pense que si il aurait pas pris les Djé Bonny sur ce son, peut-être que j'aurais mieux graille le coupé à Tiako. Mais pour moi, il y a trop un décalage. C'est-à-dire que le Djé Bonny, il met la lumière vraiment sur le son. Alors, le Sony Wave, là, j'ai l'impression qu'il aussi, il a commencé à poser. Mais vu qu'on l'a pas filmé, j'ai pas su à quel moment il y a eu une transition, en fait. Djé Bonny, il carie le son. Hein. Alors, le Sony Rave, franchement, je pense qu'il a posé à partir de 2 minutes 12, là, je pense à un moment donné, je pense que c'est lui qui pose, mais franchement, c'est les deux qui carient le son. Hein. Je suis désolé, Tiakola, sur ce son-ci. C'est une bonne tentative, hein. Prise de risque, il s'est essayé sur un truc, mais je pense que les mecs avec qui il a fit sont tellement dans leur élément que c'est pas le... ça met de l'obscurité sur lui, carrément. Enfin, de l'ombre. Alors Nuan, je dis pas que je kiffe pas, je dis juste que, sauf qu'au niveau des couplets individuels, Tiakola c'est pas son meilleur truc en fait. Il est pas été dans la meilleure position pour moi. Par contre là où j'ai du mal, c'est de me dire dans quel contexte tu t'écoutes ça. Parce que tu sais, au début je me disais ouais peut-être poser tout ça, mais j'arriverais pas à écouter ça comme ça posé, je sais pas. Dans un contexte de soirée, ça donne pas, non, y a pas non plus une vibe en mode choré, je sais pas quoi. Tu vois, tu me dis boîte, mais je sais pas. À part sur la fin où il y a le drop qui revient plusieurs fois, tu vois. Mais sinon dans la longueur. Je sais pas, même en boîte, je sais pas. Hein. Ça, tu mets ça en boîte, c'est peut-être pour zouker une meuf, hein, mais mis à part ça. Bref, petit like, merci du soutien, on va continuer. Je sais pas, checker les bijoux de Chain Nation. Et les vêtements aussi maintenant, vous avez 15% avec mon code ZOMI15. Le lien est épinglé en commentaire, premier commentaire. Vous pouvez pas le louper. Et venez en live tous les vendredis soirs à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. Voilà, on écoute de la musique, on discute, on réacte à des trucs drôles. On joue ensemble, on joue avec ma copine. Et on se tape des films à la fin. Ok. Passez tous une très bonne soirée. A peace!